Cette semaine, on amorce le dernier chapitre du cours, du semestre proprement dit. On va parler d'optimisation de fonctions de plusieurs variables. La matière se trouve dans la section 6.1 du manuel du cours, pour la plupart, sauf la dernière partie où on va parler d'optimisation avec contraintes. Il n'y a rien dans le manuel, malheureusement, qui en parle, mais j'aurai des notes de cours très détaillées pour expliquer les concepts et vous verrez que ça va aller facilement. Alors, essentiellement, dans ce chapitre ici, on va prolonger ou faire correspondre les concepts que vous avez vus en première année pour des fonctions qui vont de R vers R. Donc, quand il s'agissait de trouver des maximums et des minimums. Hein, donc, on voyait qu'on pouvait trouver des points critiques. Puis ensuite, pour classifier si c'était un maximum ou un minimum, on faisait ce qu'on appelait un test de la dérivée seconde. Bon, pour des fonctions de plusieurs variables, on va avoir un concept analogue à ça. On va avoir le concept du point critique qui va être essentiel pour trouver les maximums et les minimums. Et puis, mais on a déjà vu que même pour des fonctions qui vont de R2 vers R, il y a trois dérivés d'ordre 2 possibles, hein, dépendant de l'ordre, en tenant compte du théorème de Clairaut-Schwarz. Ça fait que pour arriver à établir un test qui sera semblable au test de la dérivée seconde, il va falloir qu'on soit un peu plus prudent sur comment on va définir les concepts. Alors, c'est ce que je vais faire dans cette première capsule 81 ici, c'est vous parler de fonctions quadratiques. Et puis, je veux surtout faire des liens avec des concepts que vous avez vus en algèbre linéaire concernant les valeurs propres et vecteurs propres de matrices symétriques. Donc, on va utiliser ce concept-là pour pouvoir faire la classification un peu plus tard des points critiques. La première chose que je veux faire, c'est définir ce que j'entends par une fonction quadratique qui dépend de n variables. Alors, j'ai la définition ici. J'ai une fonction donc scalaire, c'est-à-dire que l'image est un nombre réel, mais le domaine est dans Rn, donc c'est une fonction qui dépend de n variables. Et on dit qu'elle est quadratique s'il existe une matrice n par n symétrique. Alors, par symétrique, je veux dire que la matrice est égale à sa transposée. Donc, symétrique par rapport à la diagonale principale, que je vais appeler A, telle que la formule pour F, c'est le produit du vecteur ligne X fois la matrice n par n A, fois le vecteur colonne X. Okay? Donc, ça veut dire quoi ça en pratique? Alors, c'est facile de l'illustrer avec n égale à 2. Si n égale à 2, j'ai donc f de xy est égal à xy vecteur ligne, matrice symétrique, alors A1, 1, A1, 2, A1, 2 ici aussi, alors important, c'est le même nombre ici pour que la matrice soit symétrique. Et puis A2, 2 fois vecteur colonne XY. Et puis si on fait l'expansion de cette expression-là, d'abord faisons l'expansion de ce produit matriciel ici. On va avoir un vecteur colonne A1, 1. X plus A1, 2, Y, A1, 2, X plus A2, 2, Y. Et ensuite, je fais ce produit matriciel ici, et puis j'obtiens une expression comme la suivante. A1, 1, X carré, plus A1, 2, XY, plus A1, 2, XY, plus A2, 2. Y carré. Alors, vous voyez que le terme là, A1, 2, XY, qui apparaît deux fois ici. Donc, je peux écrire ceci comme A1, 1, X carré, plus 2, A1, 2, XY, plus A2, 2, Y carré. Hein, donc, c'est ça que je veux dire par une fonction quadratique. Hein, si vous aviez trois variables, X, Y, Z, ben, vous aviez aussi des termes avec z carré, zx, zy, ainsi de suite.
OK, donc surtout, l'important, c'est que les variables ici apparaissent comme des expressions quadratiques, OK, de degré 2, comme polynôme de degré 2. Donc, regardons un cas particulier ici, là, si jamais j'avais la matrice A égale à la matrice 1, 0, 0, 1. OK, alors à quoi ressemble la forme quadratique ici? Alors, je prends cette formule ici et puis je mets A1, 1 égale à 1, A1, 2 égale à 0, puis A2, 2 égale à 0. Ça fait que j'ai donc la forme quadratique ici, la fonction quadratique qui a l'expression f de x, y égale à x carré plus y carré. Ça fait depuis le début du semestre qu'on voit cette fonction-là. Maintenant, on va la considérer comme étant un exemple d'une fonction quadratique. Et puis, on se rappelle à quoi ressemble le graphe de cette fonction-là. C'est une paraboloïde qui est ouverte vers le haut, hein? Et puis, donc, si je trace son graphe, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Puis, remarquez que le point ici, là, c'est un minimum. Visuellement, on voit ça comme étant la plus petite valeur possible, là, de z sur le graphe de cette fonction-là. J'aurais aussi le cas où la matrice A égale à moins 1, 0, 0, moins 1. Dans ce cas ici, f de x, y égale moins x carré, moins y carré. Puis là, on se souvient que j'ai une paraboloïde ouverte vers le bas. Donc ça, ce point ici, ça devient un maximum. OK? Et bon, une autre possibilité, juste pour faire énumérer les possibilités, là, donc je pourrais aussi avoir la matrice A égale à 1, 0, 0, moins 1, qui me donnerait la fonction quadratique x carré moins y carré. Et puis, ça, on sait qu'on avait un graphe qui ressemblait, qu'on avait appelé un col, hein, donc la selle d'un cheval. Donc, le point ici est ni un maximum ni un minimum. C'est un maximum si je m'en vais dans cette direction ici, mais c'est un minimum si je m'en vais dans cette direction-là. Donc, le comportement dépend dans quelle direction que je me déplace. Alors, c'est ni un min ni un max. Donc, la raison pourquoi je vous ai donné ces trois exemples simples ici, c'est que la matrice A est diagonale. OK? Alors, la matrice A est diagonale. Donc, les éléments qu'on doit voir ici sur la diagonale, on peut les identifier aux valeurs propres de la même matrice. OK? Donc, on voit ici une situation où on a deux valeurs propres du même signe qui nous mènent à un minimum. Ici, on a deux valeurs propres du même signe, mais le signe étant négatif. OK? Donc, dans ce cas-ci, c'était le même signe, mais le signe était positif. Ici, c'est le même signe, mais le signe est négatif, qui nous menait à un maximum. Et puis, on avait ici des valeurs propres de signes opposés qui nous menaient à un point ici qui était, bon, ni un min, ni un max. Donc, sous-jacent à toute la théorie qu'on va faire ici, là, ça va être très important le concept de valeur propre de matrice. C'est dans quelque sorte, c'est ce qui va généraliser le concept du test de la dérivée seconde. Ça va être une investigation de la structure des valeurs propres d'une certaine matrice qu'on va construire à partir des dérivées partielles d'ordre 2. Okay? Donc, je vous mets un petit peu la puce à l'oreille pour ce qui s'en vient. Donc, pour l'instant, revenons sur ce concept-là de fonction quadratique. Donc, ça me prend pour définir une fonction quadratique, ça me prend absolument une matrice symétrique A n par n, okay, qui vient se placer dans le milieu ici, là, entre un vecteur ligne et le vecteur colonne avec les variables du problème. Donc, j'ai une proposition ici que vous avez probablement vu soit en maths 1741 ou dans votre cours d'algèbre linéaire de deuxième année que vous êtes supposé être en train de faire à l'heure actuelle. Donc, si j'ai une matrice symétrique n par n, une matrice, je devrais dire réelle ici, hein, matrice symétrique réel. Alors, A possède n valeurs propres réelles, lambda 1 jusqu'à lambda n, possiblement avec répétition ici, hein, donc ils ne sont pas nécessairement tous distincts, mais l'important, c'est qu'on est capable de trouver n vecteurs propres correspondants V1 à Vn qui sont mutuellement orthogonaux 2 à 2, et puis on peut les normaliser là, à longueur 1. Okay? Alors, ça, c'est important. Donc, ça veut dire qu'on est capable de diagonaliser la matrice A.
Hein, donc, c'est-à-dire, si je prends comme matrice de changement de base, la matrice P qui est composée des vecteurs colonne V1 jusqu'à Vn, ben, dans ce cas-là, c'est une matrice orthogonale. Donc, sa transposée est égale à son inverse. Et puis, quand j'écris ceci, c'est la matrice de changement, la matrice où ce que je change de base, j'ai une matrice diagonale. Okay, alors ça, c'est quelque chose que vous voyez en algèbre linéaire. C'est un concept que, bon, ben, soit que vous vous en souvenez ou vous retenez le résultat que je vous donne ici. Donc, c'est toujours possible avec une matrice symétrique de la rendre diagonale et de telle sorte que les éléments diagonaux, bien sûr, sont ses valeurs propres. Donc, ça étant dit, maintenant, si je prends une fonction quadratique, et puis, je pose, donc j'ai f de x ici égale x transposé à x, une fonction quadratique. Puis, je pose x égale py. Alors, je fais le changement de base tel qu'indiqué à la proposition ici. Et puis, j'étudie la quantité g de y, qui est tout simplement f de py. Alors, je remplace x par PY dans l'expression pour F. Donc, je prends la formule qu'il y a ici pour F, puis chaque fois que j'ai un X, je le remplace par PY. Alors, j'ai PY transposé fois A fois PY. Puis je continue. La transposée d'un produit, c'est Y transposé P transposé, donc un concept que vous avez vu en algèbre linéaire, fois A fois P fois Y. Puis si là, on voit bien le PTAP qui apparaît, que si P a été choisi comme étant la matrice qui est composée avec vecteur colonne étant les vecteurs propres, PTAP est tout simplement une matrice diagonale. Donc, je continue ici. Donc, ça, c'est égal à. Faisons ceci. Égal à Y transposé fois la diagonale lambda 1, lambda n fois Y, c'est-à-dire lambda 1, Y1 carré plus lambda 2, Y2 carré plus lambda n. Yn carré. Okay? Donc, peu importe que la matrice initiale A était diagonale ou non, on est toujours capable de faire un changement de variable pour la mettre diagonaliser, si on veut, la matrice des coefficients, puis avoir une expression ici qui est essentiellement une somme d'expressions au carré. Okay, donc ça va être très important. Donc pour étudier le comportement de cette fonction ici, il suffit de regarder les signes de ces quantités ici. Hein, donc par exemple, si jamais tous les lambda i sont strictement positifs, ben l'expression que j'ai ici, elle sera toujours positive. Elle va toujours être plus grande ou égale à 0. Puis bon ben 0. Ça correspond avec la valeur de f au point 0,0,0,0. OK? Et puis, c'est égal à 0 si et seulement si x égale à 0. Fait qu'on est dans une situation où est-ce qu'on est soit, on est comme dans cette situation ici. Hein? Donc, on avait essentiellement f de x est toujours plus grand ou égal à f de 0. Donc, peu importe où ce que je suis sur le graphe, c'est toujours plus grand ou égal à la valeur de f à 0, 0. Donc, dans cette situation-là, on dit que f est défini positif. Que f est défini positif. Puis, dans ce cas ici, ce qui arrive, c'est que x égale 0 est un minimum pour f. Okay, donc, une fonction quadratique qui est telle que chacune, que la matrice des coefficients a les valeurs propres toutes strictement positives, on l'appelle f définie positive, puis une conséquence,
c'est que x égale 0 sera un minimum pour la fonction f. Si, au contraire, tous les lambdas sont strictement négatifs, ben dans ce cas-ci, l'expression ici que j'ai est toujours plus petite ou égale à 0. Hein? Puis 0, c'est la valeur de f égale à 0. Puis c'est le seul point où f égale à 0. Donc, dans ce cas-là, on va dire que f est définie négative. Puis, il s'avère que dans ce cas-ci, x égale 0 est un max pour f. Hein? Donc, on est dans la situation qui était comme le cas que j'ai ici. Donc, partout sur le graphe, là, j'ai des valeurs de z qui sont plus petites ou égales à la valeur de z à l'origine. Une autre possibilité, c'est que toutes les valeurs propres sont non nulles. Mais cependant, il y en a qui sont strictement positives, puis d'autres qui sont strictement négatives. Un peu comme on avait dans cet exemple ici. Il y en avait une positive, puis une négative. Dans ce cas-là, la terminologie qu'on utilise, c'est que on dit que f est de sorte colle. OK? Puis plus tard, on verra que bon, la valeur à l'origine est ni un max ni un min. Si un ou plus des valeurs propres est égal à 0, on dit que f est indéterminé. OK? Donc, c'est en regardant les valeurs propres de cette matrice ici qu'on est capable de déduire un certain comportement pour la fonction quadratique. Donc, encore une fois, c'est pour concrétiser les idées. Ici, si je regarde la matrice A étant 1, 0, 0, 3, je l'ai déjà pris diagonale pour de telle sorte qu'on n'est pas obligé de faire le calcul des valeurs propres. Les valeurs propres sont déjà ici. Hein? Donc, j'ai 1 et 3 et sont tous les deux positifs. Dans ce cas-là, on a donc que F est défini positif. Dans l'exemple que j'ai ici, j'ai une matrice 3 par 3, donc j'ai une fonction quadratique sur R3. Encore une fois, j'ai pris la matrice comme étant diagonale pour de telle sorte qu'on puisse voir facilement que les valeurs propres sont 1, moins 2 et moins 1. Donc, dans ce cas ici, F est de sorte colle. OK? Alors, comme vous le savez, calculer les valeurs propres d'une matrice n par n, en général, c'est un problème qui est assez compliqué algébriquement. Hein? On doit résoudre le polynôme caractéristique qui est un polynôme de degré n. Alors, on a des formules. On a la formule pour les racines d'une quadratique dans le cas n égale à 2 qui nous permet de très facilement calculer les racines du polynôme caractéristique. Mais pour n plus grand que 2, c'est quasiment du cas par cas. Il y a certains cas qui sont plus faciles. La matrice est partiellement diagonale. Et dépendant du cas, ça peut être plus ou moins facile de trouver les valeurs propres. Donc, ce que je vais faire dans la prochaine capsule, c'est revenir sur le cas spécifique où n égale à 2. Donc là, on est capable de faire là, une classification complète et parfaite de toutes les possibilités. En vertu du fait qu'on a à notre aide la formule quadratique pour trouver les racines d'une quadratique.